Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, moi c'est Sagesse d'Opulionner, le créateur concepteur du Nouchi Titanic. Observateur finalement a été condamné à 1 an de prison. Ils ont dit 6 mois ferme et 6 mois avec sursis. Je vous ai dit que c'est bien dommage qu'on en soit arrivé là. Franchement, c'est trop dommage quoi. Mais je vous ai dit que de cette histoire, nous les soi-disant créateurs de contenu là, on doit tirer beaucoup de leçons. Sinon, il y a des gens qui ont fait pire que observateurs ici, on les connaît. Grand Abidjan, ils sortent, c'est des champions aujourd'hui. Ils ont fait pire que observateurs. Mais c'est en même temps une leçon pour tout le monde. Nous, les créateurs de contenu, blogueurs, là, on se croit tout permis sur la toile. Depuis un moment, là, c'est la lâcheté. Hein? On diffame, on insulte, on est dans tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et c'est bien fait, même cette venue des PPLC, bien PLCC, là, c'est bien. Je vous dis un truc. Vous qui êtes ici, vous créez le contenu là. Voici comment ça se passe. Quand tu arrives à Abidjan, tu arrives, quand vous passez dans les petits couloirs là, et puis où on donne passeport pour regarder là, dès que ton passeport fait tin, 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 3 fois ce qu'il y a en bas. Je vous dis en même temps, dès que ton passeport, ça arrive dans le coin là, et puis ça fait tin, 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 3 fois ce qu'il y a. Après, on te met à côté, on te met dans une petite chambre, on te donne café, ce qu'il y a problème. Il y a un policier ou bien un gendarme qui est en train de venir, on t'a amené devant le procureur. Puis là, là c'est comme flagrant délit. Tout de suite, tu vas croiser le procureur. Je vous dis en même temps, on est assis en Europe ici, on passe. Et puis ça, là, ça va calmer un peu les ardeurs des gens. Voilà. Quand vous voyez des filles aujourd'hui qui cassent des papos en un point fini, qui sortent les voix des gens, qui exposent les gens partout, un cas se dit, il y a des. Faut pas qu'on pleure pas après. Même moi, je suis pas à l'abri de quelque chose. Moi, je crée des contenus. Moi, j'appuie des gens. Demain, là, si ça tombe sur moi, je vais répondre. Parce que répondre ne veut pas forcément dire que tu vas aller en prison. Tu vas répondre de tes actes. Et puis si ça mérite une peine, tu vas le faire. Vous comprenez? Je dis, c'est bien dommage ce qui arrive à Observateur, franchement. Juste, et puis, la leçon même qu'on doit tirer de tout ça aussi. Est-ce que quand nous, on fait nos merdes sur les réseaux sociaux, on pense à nos familles, maman, papa, nos femmes, nos enfants. Regardez un monsieur comme ça. Il a laissé sa femme ici, ses enfants. Il a dit au revoir, il arrive tout à l'heure. 1 an, il ne va pas les voir. C'est-à-dire qu'il va finir les 6 mois ferme, les 6 mois avec celui-ci, là. C'est-à-dire qu'il doit rester à Bidon, il ne doit pas bouger. Pendant ce temps-là, les enfants pleurent. C'est-à-dire qu'on ne pense même pas à nos familles. Nos mamans pleurent, nos parents pleurent pour nos bêtises qu'on fait. C'est eux qui prennent les pots cassés. Parce que quand on fait nos conneries là, sur les réseaux sociaux, on ne pense même pas à eux. Aujourd'hui, les enfants, sans toi, ça prend 1 an, 1 an et demi, 2 ans presque. La pauvre dame que tu as laissée là, elle va pleurer tout le temps. Pensons, pensons, pensons à nos familles aussi. À un moment donné, c'est bon. À un moment donné, c'est bon aussi, Joe. Je ne suis pas en train de me rédiger en donnant des leçons. Parce que moi-même aussi, là, je ne suis pas à l'abri de quelque chose, je crée le contenu. Ça peut m'arriver à moi. Mais je dis, nous sommes dans une société. Arrivé à un moment donné, là, ceux qui ont fait le droit pénal, moi je ne connais pas. Mais je sais qu'à un moment donné de la plainte, là, je pense que le parquet s'est saisi de ça et puis on ne peut plus rien faire. Tu ne peux plus retirer toi-même ta propre plainte. Je pense que c'est à ce moment-là que c'était et puis elle ne pouvait plus rien faire. Et puis voilà, le verdict est tombé. Frère, courage à toi. On est ensemble et puis voilà, nous, ça va nous servir des leçons. On va se calmer un peu, puis voilà. Ceux qui ont envie de se calmer, hein. Ceux qui ont envie de continuer à mettre, qui continuent à mettre. Mais demain, il ne faudrait pas qu'on vienne pleurer ici pour dire que non. T'as enfermé quelques temps. On est ensemble, portez-vous bien, c'est ciao, allez, ciao, ciao.